et la Somalie. La Somalie qui serait la prochaine cible, déclaration de Donald Rumsfeld. Les journalistes qui s'y aventurent sont extrêmement rares, d'où l'intérêt de ces images tournées le mois dernier. Reportage Philippe Buffon. Des années qu'une caméra n'avait pénétré les rues de Mogadiscio. Ces images ont été tournées sous escorte il y a quelques jours. La ville est un champ de bataille que les clans se disputent. Ici, ce sont les armes qui font la loi. Il suffit de passer d'un quartier à l'autre pour s'en rendre compte. C'est le quotidien des habitants de Mogadiscio. 1992, l'anarchie règne et la population meurt de faim. Sous mandat des Nations Unies, les soldats américains organisent l'aide humanitaire. Mais ils garderont un très mauvais souvenir de cette intervention. Une opération commando tourne mal, une vingtaine de rangers sont tués. Personne en Amérique n'oubliera ces images du corps de ce soldat traîné dans les rues de Mogadiscio. Après ce fiasco, les États-Unis quitteront la Somalie. Ces bâtiments étaient le siège des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est un bidonville, comme le reste du quartier. Voici l'ambassade de France, un tas d'ordures qui fait vivre plusieurs familles. À quelques centaines de mètres, celle des États-Unis, déserte. La ville est à l'abandon, livrée à la terreur des clans armés et au discours des mollahs. Voici le marché de Mogadiscio au centre, un immeuble intact. La baraka, la banque par laquelle les dollars de la diaspora somalienne transitent. Mais les Américains l'accusent de financer Al-Qaïda et ont gelé ses actifs. À Mogadiscio, l'islamisme gagne du terrain au marché. On voit de plus en plus de ces femmes voilées, ce qui n'était pas le cas dans la Somalie de Kofoua. Et Ben Laden est un héros. En tant que musulman, nous soutenons Ben Laden. Une idole, surtout chez les gamins des rues qui sont les fantassins des chefs de guerre. Ce qui fait la force des organisations islamistes, c'est qu'elles sont les seules sur le terrain. Cet hôpital, par exemple, est financé par la baraka. Les ONG occidentales ont quitté la Somalie voilà 6 ans. We'll be right back.